Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer un compteur de visite dans la nouvelle version de Google Sites. Car peut-être comme moi, vous étiez sur l'ancienne version de Google Sites et vous aviez ajouté des gadgets. Ces gadgets ne se retrouvent plus à présent sur vos nouveaux Google Sites. Nous allons essayer d'intégrer un petit compteur comme celui-ci. Vous aviez peut-être l'habitude si vous aviez déjà des compteurs sur vos sites. Et lorsque l'on clique dedans, on peut voir d'où les internautes se connectent pour arriver sur notre site. Pour cela, nous allons aller sur le site GeoVisite, geovisite.com. Vous vous inscrivez et ce site vous permet également d'ajouter votre Google Site a des annuaires, donc c'est très bien pour son référencement. Donc vous rentrez votre email, c'est optionnel, l'adresse de votre site, et une fois que tout ceci est fait, que vous êtes inscrit, vous prenez le code et vous allez copier le code à l'endroit où vous voulez que votre compteur apparaisse. Voilà, on clique sur suivant, le compteur est intégré. Il ne nous reste plus qu'à redimensionner la tuile, faire quelque chose d'un petit peu propre sur la page de notre site, et puis on va pouvoir publier et vérifier que notre compteur fonctionne. Voilà, je descends, mon compteur apparaît bien ici. Personnellement, je n'utilise plus les compteurs de GeoVisite puisque je préfère avoir accès à Google Analytics qui me donne quand même des données très très complètes, et puis ça permet d'avoir une page un peu plus claire sur le site et de ne pas encombrer avec des gadgets un petit peu inutiles. Mais vous avez à présent l'astuce si ceci vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, un clic j'aime fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et si vous êtes abonné, actionnez la cloche pour avoir de nouveaux contenus. A très bientôt pour un nouveau tuto.